5. Et je sais pas comment ça se fait, ça fait 8. 6 à 9. À 9. Pourquoi 6 à 9? Pourquoi tu te rajoutes un point? Parce que j'ai dit aussi. T'as 5 à 9. Non. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec Ali Shai que vous avez déjà vu. Voilà, comme tous mes fans m'ont demandé qu'elle revienne, elle revient. Et avec Marie. Merci. Juste Marie. Voilà. Bon, alors, on va faire un test de culture générale. Voilà. Parce qu'on est un peu deux blondes. Et elle, ce sera l'arbitre. Et on va essayer de faire le test des Miss France. On va voir. Mais je pense qu'il y a trop de questions. Hein. Non, on ne le fait pas toutes. Particulière. Après la saga d'Harry Potter, un nouveau film adapté d'un roman de J.K. Rowling, est sorti au cinéma ce mois-ci. Comment s'appelle-t-il? Les animaux fantastiques. Ouais. Merde. Ok. Un point pour moi. Je suis fan d'Harry Potter, moi. Et c'est la bonne réponse. Qui a eu l'Oscar du meilleur acteur en 2016? Leonardo DiCaprio. C'était la première fois qu'il y allait. Mais c'est la bonne réponse. Que signifie CSA? Super meilleur de l'audiovisuel. Ouais, je sais. Ouais. Bah, on a un point chacun, donc on a 2-2. On a chacune 2-2. Qui va battre l'autre? Qui présente l'émission Salut les Terriens sur Canal+. Derrière du son. Ah, mais Mais comment vous savez ça? Mais parce que c'est dans Jérémy Star. Mais je suis pas ça, moi. Bon, bah, du coup, c'est ça. Ok. Dans quelle discipline Tony Yoka et Stan Moss? Judo. J'ai fait sans prendre. Eh, Chine, la question, frère, non? Ok, non, mais c'est bon, ouais. Judo. En même temps, c'est des champions de judo, donc c'est sûr que c'est. Bah, moi, je savais pas. Ah, mais non! T'es bof! T'as perdu! T'es bof! 3, 2. Je sais pas si vous avez remarqué, un utilisateur, c'est moi qui mange tous les gâteaux. N'importe. Marie, elle en prend même pas. Oh, si. Moi, j'ai pas pris des gâteaux, c'est elle qui les mange. Par contre, ça vient. Question 6, il y a 40 questions. Oui. Qui a remporté le championnat de Portugal de football pendant l'été 2016? Portugal. Non, mais ça, je savais, hein. Moi, je sais pas. 3-3. Ouais, je vais devoir faire le ménage, moi. C'est déjà dégueulasse. Non. Quel célèbre joueur du PSG a quitté le club cette année pour rejoindre le club de Zlatan Ibrahimovic? Ronaldo, tu dis? Il est même pas. Il est même pas. Zlatan Ibrahimovic. Il est même pas. Il y a Olivier Giraldo. Mais il était pas au PSG. Ouais, t'as raison. Ça fait. Ça fait que j'ai un point de plus que toi. 4 à 3. Qui a gagné la finale homme. Attends. Qui a gagné la finale homme de Roland Garros en 2016? Yannick Noah. Mais non, Nathan. Yannick Noah. Attends. Federer, je sais pas quoi. Je sais pas. Federer. Non, c'est pas lui. Non, Raphaël Nadal. Je l'avais dit. Non, t'as dit Yannick Noah. C'est Raphaël Nadal. Je t'ai mené, c'est pas lui. Je t'ai dit que je t'exprès, je l'ai mené en dérision. Enfin, en bateau, pas en dérision. De toute façon, j'avais pas bon. Oui, non, Djokovic. Ouais, moi, j'y connais rien au sport, genre vraiment. Je suis un boulet, hein. Non, mais. Trouvez le numéro de la place manquante. 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4. Laure, elle m'appelle. Attends. Pardon. J'ai pas compris celui-là. Trouvez le numéro de la place manquante. 1, 2, 3. 1, 3, 2, 4, 3, 5, 4, 5, 7. Mais je sais rien. Qu'est-ce que j'en sais? Bah, moi je dis 5. 5. 2 points si tu veux. Moi je dis 6. 5. Moi je dis 6. Bah, si t'es 6, t'as. C'était 6. Oui, j'ai 2 points. Donc ça veut dire que j'ai 3 points d'avance sur toi. Non. C'était une question. Ah oui, 2 points. Oui, t'as 6 et moi j'ai 3. 3. Question. Quelle est le racine carrée de 36? J'ai assez parlé par là. 6. 6, oh merde. Je sais même si c'est pas 6, 36. J'ai raison? Oui. 5 à 3. Putain, manque pas avec moi. T'inquiète pas, meuf. Je souris parce que je gagne, mais quand je vais perdre. Quel est le théorème de Pythagore? Théorème de Pythagore, c'est A carré plus B carré égale. C'est carré, non? C'est carré! Oh putain, mais je m'en souviens plus du tout, c'était toute ma vie, genre Thalès, Pythagore et tout en troisième, mais là. Franchement, je sais pas.
C'est quoi les propositions? Attends, il y a les propositions. A carré plus B carré égale C carré, c'est ce que j'ai dit au début. Bah c'est ça. C carré égale à B carré. Ah mais oui, je me souviens. Avec les nombres d'or et tout, mais ça date. Non, c'est pas ça. Ah bon? Bah j'avais dit quoi? J'avais dit. Bon, bah on a eu toutes les deux faux, 7 à 3, toujours. Et nous sommes en ESP Math. 100 km séparent le domicile de mes parents et le mien. Je pars déjeuner chez eux, je roule à... Et c'est un problème de maths. Attends, je lis. Je regarde ta réponse. 200 km séparent le domicile de mes parents et le mien. Je pars déjeuner chez eux, je roule à 100 km/h et je fais une pause de 30 minutes sur la route. Combien de temps est-ce que j'ai pour arriver? Mais j'ai même pas eu le temps de finir. Bah attends, je réfléchis et je dis. Bah 2h30. Bah oui. Moi aussi je dis 2h30. Imagine c'est pas ça. Mais ton truc meuf Mon truc de alors quoi, bon moi j'en ai pas dit. Yeah. Bon bah 8 à 4. 8 à 4. Bah on avance. Doucement, mais sûrement. Comment s'appelle le ministre de l'économie qui a démissionné du gouvernement en 2016? Bah attends, dis-nous les propositions. Oh putain meuf, je sais. Attends, non, je sais. Ah, mais c'est Panama Papers, je sais pas quoi, là, il y a une grosse affaire dessus. Vas-y, dis les noms. Michel Sapin. Non. Emmanuel Macron. Non. Stéphane Le Foll. Ah oui, Stéphane. La dernière question, c'est quoi? C'est Laurent Fabius. Mais Laurent Fabius, c'est le maire de... Le Stéphane Le Foll, c'est le porte-parole. Moi, je dis Macron. Non, c'est Laurent Fabius. Mais Laurent Fabius, c'était pas le maire de Rouen, donc c'est possible, ouais. Laurent Fabius, parce que... Moi, je dis Macron pour pas qu'on m'aille. Mais Stéphane Le Foll, c'est... Macron. 5 à 8. Mais moi, je pensais pas à lui. 8. Mais si, Laurent Fabius, c'est le... Il a fait d'autres trucs, mais je crois pas à ça. Attends. Ah non, vu que c'était le... Quand est-ce que le premier tour des élections présidentielles va avoir lieu en France? Attends. Imaginons, on est en 2016, hein, parce que ça date de 2016. Et en ES. Mais c'est aucun rapport, le choix. 2022. Ah, c'est la politique. 2022. Mais non, mais là, c'est... 2022. 2022. Mais non, mais c'est... Ah, c'était l'ancien. Ouais. Bah, c'était... Le premier tour, c'était en mai 2017. Bon. Il n'y a pas de mai, il y a janvier, avril, juin, juillet. Bah avril alors, parce qu'il a été élu en mai donc avril. Avril. Ça va? On pique pas trop mes réponses, pop strip. Bah du coup bah t'as raison. Et je sais pas comment ça fait 8. 6 à 9. À 9. Pourquoi 6 à 9? Pourquoi tu te rajoutes un point? Bah parce que j'ai dit aussi T'as 5 à 9 mais... Non. Bah j'ai aussi dit avril et tu as avril. Oui, avril. Non, bah on a tout qu'à le dire. 6 à 9 parce que c'est ta vidéo. Non, pas les réponses, c'est quoi alors? T'es bon? Oui. Ok. Quel pays ne fait pas partie de l'Union Européenne? Ah, on l'a vu hier. La Grande-Bretagne. Attends, mais attends, mais arrête de répondre. L'Italie, la Suède, la Grèce ou l'Islande? L'Islande. Je sais. L'Islande. Comment l'Islande? Tellement. Non, moi c'est Alizée qui a répondu en première. Non, mais non, mais elle m'a pas dit ça tout à l'heure, t'as dit ça. Tout à l'heure, t'as dit les animaux fantastiques et une égale. 10 à 10. Je pensais que quelle affirmation est fausse à la suite du Brexit? Mais David Cameron a démissionné, la Grande-Bretagne va devoir changer sa monnaie, les Britanniques ont décidé de sortir de l'Union Européenne. Ça, c'est la deuxième réponse? C'est la troisième. Où l'Union Européenne ne compte que 27 pays membres. Bah, quelle affirmation est? La 3. L'Union Européenne, la affirmation est fausse à la suite du Brexit. Attends, redis. On a toutes les deux, bon. On a dit toutes les deux, la 2. C'est-à-dire qu'ils vont garder le livre. Enfin, c'était jadis. Donc tu es 7 à 11. C'est bien, je vous félicite. Capitale européenne va accueillir le célèbre thé. Et la meuf, tu regardes. Ah non, non. Voilà. Oh, les vacheuses. Quelle capitale européenne va accueillir le célèbre défilé Victoria's Secret à la fin de l'année 2016? Ah putain, parce que je sais que l'année dernière c'était... La ville européenne. Mais c'est Milan. J'ai parlé vite. Londres. Il y a pas Londres. Il y a Berlin, Paris, Amsterdam. Amsterdam. On l'a dit tous les deux. Je suis sûre c'est Rome. C'est Paris. Ah mais je croyais que c'était en 2017 ça. Mais non, 2017 c'était au Japon, mais Kendall Jenner elle a pas pu y aller parce qu'on lui a refusé. Ah, c'est bon. Je te jure. Horrible. Enfin, peut-être pas Kendall Jenner ou alors Gigi Hadid ou un truc comme ça. Ah, elle est trop belle cette fille, j'adore.
Ou alors Bella Hadid, enfin un truc comme ça, genre non, soit Bella Hadid, soit Bon alors vas-y. Où a eu lieu la COP22 qui s'est déroulée du 7 au 18 novembre 2016? La COP21 tu veux dire? Non, non, c'est la COP22. Marrakech, Londres, New York. Moi je dirais Shanghai. Moi je dirais Londres. Moi je dirais Shanghai. Moi je dirais Shanghai. Bah vas-y. Nah. On est vraiment des merdes. C'était Marrakech. C'est une blague. Genre Marrakech? Genre Marrakech. Ils se sont mis au calme dans les petits concerts. Pour parler du réchauffement climatique. Quel chanteur ayant représenté la France à l'Eurovision en 2016 a aussi gagné deux trophées aux Energy Music Awards le 12 novembre dernier? Bah Amir. Moi je savais pas. Mais c'était Claude Capéo. Mais du coup on est à combien là? Non c'est Amir, c'est on Amir. Est toujours 7 avance. Bah du coup là, c'est à 12. Non mais j'en ai marre, ça te fait pas, c'est de la triche. Heureusement que je joue pas hein, sinon... Mais en fait c'est pas des tests de culture. Ah bim. C'est des trucs genre grave superficiels tu vois. Elle le sait au moins. Elle est hyper importante. Vas-y, cache-nous. Qui a chanté Petite Marie, je parle de toi parce que... Ah ouais, Renaud, non, c'est les paroles Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix, tes petites mamies, tu as passé sur la vie non, des milliers de roses. Je sais. Francis Cabrel. Moi je dirais Johnny Hallyday. Non, Georges Brassens. Je crois pas, hein, c'est le chanteur préféré de ma mère, alors si je me trompe. C'est pas grave. C'est de la menthe. Ouais. Bah tu la manges. Ah non, je la mange. Oh, je sais. On espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à dire à commenter. Team Popstrip ou Team Alishai en commentaire. Tous ceux qui n'ont pas Team Popstrip seront bannis de la chaîne. Bannis de la chaîne. Je suis où là-dedans? Toi, t'es Marie la médiatrice. Ouais. Toi, t'es Brune. Elle est pas drôle. Elle est pas drôle. Elle aurait perdu de toute façon. Allez, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez une deuxième partie, bye la mif. Bisous. Tac. Comment il est temps?